pas ton équipier des yeux, reste bien sur le coup. Parce que des fois, on regarde le spectacle et c'est à ce moment-là qu'on se fait cramer. On est en présence d'un AVP. Madame, vous m'entendez? On ne quitte jamais le théâtre des opérations avant d'avoir tout vérifié. On n'y voyait pas bien, sérieux. Ok, mais elle a fait le tour, elle a tout vérifié? Ouais, je crois. Oui ou non? Ouais, ouais, je crois. Venez, venez. Il est à 30 mètres, mon mari. Je vais le regarder mourir à cause d'amour. On m'a pas dit que tu vas arrêter. Et toi? T'as envie d'arrêter? Tu veux savoir si je pleure de temps en temps, c'est ça? On est là pour les aider, ils nous crachent dessus. Attends, c'est super dur. Ouais, super mais dur. Sauf que le truc, c'est que nous, notre boulot, c'est éteindre le feu partout. On n'a pas le choix. Tu rêvais d'être pompier? Ouais, comme beaucoup de gamins. Mais c'est surtout le feu, ça m'intéressait. Quelqu'un? Mademoiselle? Bonsoir à tous les deux, bonsoir Émilie Degasperi et bonsoir Roche Dizem. Bonsoir. Vous venez donc nous parler de ce film Les Hommes du Feu qu'on a bien aimé. Donc on a adoré. On a de Pierre Joly. Non mais c'est vrai, c'est un film qui raconte de belles histoires avec de beaux personnages, mais qui nous plonge aussi dans l'action, dans le vif du sujet avec une sorte de caméra embarquée sur les interventions. C'est du cinéma, parfois on est un petit peu proche du documentaire aussi. Parce que c'est la volonté de Pierre ça, qui voulait... Il le dit, et je le répète, qu'il ne voulait pas faire un film sur les pompiers, mais un film avec les pompiers. Mmh. Donc l'idée d'avoir la caméra à l'épaule, et d'être au plus près, et d'être au plus proche. Parce que sinon, effectivement, il y a beaucoup de documentaires sur les chaînes de la TNT, sur les pompiers. Là, c'était vraiment d'aller au plus près, et aussi d'aller dans leur intimité. D'ailleurs, c'est un film de cinéma. Oui, c'est un film de cinéma. Mais on se dit que cette thématique, elle pourrait être reprise en série à la télévision, parce que c'est encore mieux que les médecins, c'est encore mieux que les flics. Les pompiers, on est vraiment au cœur de la vie des gens, dans tous les moments de leur vie. C'est la particularité des pompiers français, qui sont amenés à avoir toutes sortes de missions, aussi bien spectaculaires que banales, et parfois même glauques et sordides. Mmh. Et effectivement, les histoires qu'on voit dans... Enfin, les anecdotes qu'on voit dans le film sont les anecdotes qui ont été racontées par les pompiers eux-mêmes, et il y en a des centaines. Et effectivement, vous avez raison, ça pourrait être décliné en série sans problème. Mmh. Alors vous, Bénédicte, vous êtes une jeune femme pompier, adjudant, et vous arrivez dans une caserne du Sud-Ouest. Masculine. Vous êtes la toute première femme. Ouais, ce qu'il y avait de fabuleux, c'est qu'on a vraiment été avec eux, en immersion avec les pompiers. On était encadrés sans cesse par des vrais pompiers. Et j'ai découvert des gens, mais tellement, tellement dévoués aux autres, c'est impressionnant. Ce qui est important de préciser, c'est que c'est des pompiers volontaires, c'est pas une unité d'élite. Mm-hmm. Donc c'est des gens qui ont une vie, des enfants, et qui ont un métier parallèlement. Ouais. Et c'est pas les pompiers de Paris, parce qu'il y a les autres pompiers qui sont... C'est vraiment des gens ordinaires qui sont confrontés parfois à l'extraordinaire. Et c'est en ça que ça les rend encore plus intéressants, encore plus attachants, c'est qu'ils sont pas préparés à vivre ça. Mm-hmm. Et il y a des situations, notamment... qu'on le voit là dans l'extrait, les accidents de la route, ils sont confrontés à des enfants. C'est terrible pour eux et c'est important de savoir aussi ce qui se passe dans leur tête et les émotions que ça procure. Vous avez suivi des pompiers également sur des feux? Alors, j'ai eu malheureusement cette chance. Oui. En fait, je n'étais pas venu pour les suivre sur un feu, j'étais venu pour suivre une formation accélérée. Mmh. Et il se trouve qu'il y a un champ de plusieurs hectares de blé qui a pris feu ce jour-là. Mmh. Et je vous assure que... Entre guillemets, c'est de la chance parce qu'il y a un jeune pompier qui m'a dit « ça fait 2 ans que j'attends ça, moi ». C'est vrai. Et on s'est retrouvés au milieu d'un incendie spectaculaire. Mais oui, parce qu'il y a cette fascination au feu. Et vous le dites souvent, c'est beau, mais c'est beau de loin, le feu. Mais parce que c'est beau, un feu, c'est vrai. C'est... Vous pouvez regarder ça. Il y a des feux de cheminée. Mais c'est vrai qu'on ne s'ennuie jamais. La montagne s'enflamme, c'est vrai que c'est spectaculaire. C'est beau. Un champ de blé qui brûle, ça sent très bon. Et le son du blé qui crépite. Oui, c'est vrai que le son du feu, flammes, Moi, très honnêtement, je le préfère vraiment de loin. Et puis surtout le lendemain, quand on voit les ravages sur la nature, et là, c'est plus beau c'est très du dur. Tout. Est-ce que vous en avez profité pour faire une remise à niveau sur les gestes qui sauvent? Est-ce que vous êtes capable de... Il n'y a pas d'apnée. Je vous rassure. On peut dire oui. Vous vous sentez bien maintenant à 3 km, mais non, il n'y a pas. Mais on pourrait le faire sur vous. Non, voilà. Vous savez intervenir, sauver des vies si jamais il y a... Un accident? Non, mais c'est vraiment une question. Moi, j'ai joué le rôle d'un lieutenant. Donc, le lieutenant supervise. Oui, c'est ça. Elle est censée savoir le faire, elle. C'est vrai. Ça date, ma formation à la Croix-Rouge date d'il y a un petit moment. J'avoue qu'il faudrait que je me remette un peu à niveau. Encore à faire un petit peu. Ouais. Alors, on a voulu savoir si vous étiez crédible aux yeux des vrais pompiers. Et notre reporter, Camille Ballan, est allée donc leur poser la question lors d'une avant-première à Angers. Comment vous avez trouvé le film?
J'ai trouvé le film très riche, enrichissant pour la population d'une façon générale. Alors super intéressant. Très crédible et avec des bons acteurs qui jouaient au naturel. Et c'est vraiment un film à voir qui représente vraiment bien la vie des pompiers. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez votre quotidien ainsi porté à l'écran ? Des frissons. Ouais, ça fait plaisir, on sent un petit peu exister. Ça va permettre à des personnes non sapeurs-pompiers de comprendre quelle est notre raison de vivre, notre passion, notre adrénaline. Et j'ai des dossiers d'engagement, donc je les invite à venir me voir. Et là, ils sont très sérieux, mais dans le film, effectivement, vous parliez de scène. Il y a la traite de l'uniforme. Oui, ça. Sérieux. Il y a le... la traite de l'uniforme oui. Auprès des femmes. Oui, absolument. Oui. Oui. Vous pouvez en parler mieux que moi, je suppose. Et puis, il y a des ambiances de troisième mi-temps dans les casernes. Il faut le dire. Moi, j'ai travaillé pour le sapeur-pompier, vous savez, quand j'étais étudiante. Je connais bien ces ambiances comme ça, très, comment dire, conviviales, oui, chaleureuses. Tout le monde boit un coup. Non, mais il y a vraiment l'esprit de famille. Ouais. Ça, c'est important. Et surtout chez les volontaires. Mmh. Et comme dans toutes les familles, il y a des tensions. C'est ce que raconte le film, évidemment. Mmh. Mais quand il y a le beeper se déclenche, l'autorité naturelle reprend ses droits. Les liens affectifs s'annihilent aussi naturellement. Et ils redeviennent les pompiers qui sont censés être. Mais effectivement, on a assisté à des troisièmes mi-temps, à des banquets, des barbecues. Ouais. Et c'est important, évidemment. Et le monsieur parlait de passion, c'est vrai. Hein, on ne peut pas se retrouver dans une caserne sans réellement être passionné. Mais ce qui est quand même important de dire, c'est qu'il y a bien plus de volontaires que de pompiers professionnels, que les pompiers en manquent. Et que ce film, je trouve, il permet aux gens de se rendre compte que c'est accessible à tous à partir du moment où on le veut. C'est pas un métier... Ce sont des héros de tous les jours, mais c'est pas un métier qui est réservé exclusivement aux super-héros. Quoi. Ouais. C'est vraiment accessible comme métier. Il faut juste en avoir envie. Quoi. Je crois que c'est la sixième fois que vous tournez avec Pierre Jolier. On va croire que c'est votre ami, non? Oui, mais croyez-le. Il paraît que quand vous ne travaillez pas avec lui, vous jouez au golf avec lui. On fait beaucoup de golf ensemble, oui, c'est vrai. Ouais. Et ben, ça permet de parler des projets à venir, parce qu'une partie de golf, pour ceux qui ne le savent pas, ça dure 4 heures. Oui, donc on a le temps de parler. Ça permet de discuter, ouais, absolument. Et qui est le meilleur des deux? C'est lui. Bon, on est allé le voir, il a un mot pour vous. Deux. Oh, je suis déçu. Roger est très calme, il a une sorte d'autorité bienveillante. Et c'est comme ça qu'on voit les pompiers et qu'ils sont ceux qui dirigent les casernes. Ils ont cette force-là. Donc j'avais besoin de Rojdi pour ça, pour cette présence simple. Et puis Émilie, cette vérité. C'est une comédienne qui est d'une vérité absolue, qui m'inaude jamais. J'avais vu dans des films tellement formidables. Et je voulais surtout pas que ma femme pompier, ça fasse une actrice qui fasse pompier. Que tout le plateau soit rassuré. S'il se passe quoi que ce soit, maintenant ils ont la formation. Un accident, le feu, ils peuvent compter sur Émilie et sur Rojdi. Ouais. Lui, il dit qu'on peut compter sur vous. Il se trompe? Oh bah de toute façon, je ne laisserai jamais personne en danger. Je ferai ce que je peux. Quoi. On va passer à table. Avec plaisir. On va se retrouver juste après la pub avec Marc Lévy également, avant le live de London Grammar. A tout de suite.